Let's do this. Okay. Let's detox, folks. All right. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 gestes incontournables à faire tous les jours pour rayonner depuis l'intérieur, rayonner de vitalité, de beauté et de tout simplement devenir une meilleure version de vous-même. Savez-vous par exemple que nos pensées, tout ce qui se passe dans notre tête, la journée, la nuit, peuvent contribuer aussi à l'acidification de nos tissus, c'est-à-dire une perturbation de notre pH interne, le stress oxydatif de chacune de nos cellules, c'est aussi influencé par nos pensées, pas seulement les aliments, les mauvais aliments qu'on mange ou le mauvais air que l'on respire. Donc pour commencer, le premier geste aujourd'hui incontournable, ça va être l'exercice mental que vous pratiquez quotidiennement. C'est impossible d'obtenir des vrais résultats, des vrais changements si votre mental, si vos pensées ne suivent pas aussi le travail, s'ils ne sont pas là pour accompagner le processus. Vous ne pouvez pas uniquement travailler avec votre corps. Vous ne pouvez pas vous contenter avec la beauté extérieure parce que de toute façon, on sait que ça se dégage depuis l'intérieur. Le glow que vous recherchez, cette façon de rayonner, il faut que ça vienne de l'intérieur. Le body-mind connection, la connexion corps, mental, esprit, c'est une évidence et c'est une passion chez moi parce que vraiment cette connexion est tout à fait bluffante. Donc quand vous voulez travailler vers quelque chose, quand vous voulez tout simplement rayonner au quotidien, c'est le sujet d'aujourd'hui, il faut aussi avoir un exercice mental, un exercice pour conditionner vos pensées tous les jours de façon positive. Ça vient de l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Le stress créé en interne par nos pensées négatives, par nos émotions, nos ruminations qui tournent en boucle de façon négative, ça influence tout le corps dans sa globalité bien sûr, mais ça influence aussi sur ce qu'on appelle notre beauté extérieure, la peau, les cheveux, les ongles, tout est lié. C'est pas uniquement moi qui le dis non plus, il y a de nombreuses études qui ont été faites là-dessus et notamment une étude intéressante que je mettrai sous cette vidéo vient de l'Académie américaine de dermatologie qui a démontré justement que le stress interne, ça influence énormément sur la condition de la peau et qui crée même des conditions type psoriasis, eczéma, acné, etc. Il y a un lien direct entre ces conditions-là et notre stress interne, notamment créé par les pensées. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? L'exercice mental de tous les jours. Personnellement, j'adore avoir des mantras, des affirmations positives à répéter tout au long de la journée. Je fais même quelque chose qui est très, très efficace. On a compris la puissance de l'écriture et le fait de mettre noir sur blanc ce qu'on veut cultiver dans notre vie, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut manifester, tout ce que tu veux. Je choisis un carnet. Un petit carnet que je trouve joli en plus, ça fait plaisir, voilà. Et je note dedans tous les jours des choses qui m'inspirent, des phrases qui sont importantes pour moi. Ça peut être « je suis complète », ça peut être « je suis une belle personne », ça veut dire « je suis dans la confiance », je sens la confiance, je sens l'abondance dans ma vie. Tout ce que vous voulez, tout ce qui correspond à votre besoin, vos besoins de la journée, du moment tout simplement, mais gardez ça près de vous tous les jours pour que ça devienne quelque chose de très présent et plus réel, quelque chose de concret. C'est vraiment très important parce que si on se décide juste de répéter comme ça de temps en temps dans sa tête des jolies choses, je pense qu'on le fait beaucoup moins. Il faut se le rappeler tout simplement. Et puis, c'est pas aussi concret. Il y a quelque chose très énergétique, il y a quelque chose de vraiment concret, le fait de le mettre noir sur blanc, sur papier, ça devient plus une réalité pour vous en fait. Mon père par exemple aussi, déjà petite, il me mettait des petits mots, là vous n'allez pas voir, en plus c'est en suédois et vous n'allez pas comprendre, mais je vais vous traduire. Ça veut dire, c'est écrit « nu är allt » et ça veut dire en fait « maintenant est tout ». Tout est maintenant. Et c'était vraiment pour m'efforcer de voir des choses régulièrement dans la journée, devant la glace le matin par exemple, avant de partir à l'école. Et ces choses-là, c'est vraiment très très puissant pour conditionner le cerveau. Et ces exercices mentaux vont vous aider à rayonner un peu plus tous les jours parce que vous travaillez dans le sens de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Mon deuxième geste incontournable pour rayonner un peu plus tous les jours, ça va être la respiration profonde. Il n'y a pas un maître
yogi ou un professeur de yoga, il n'y a pas un professionnel de la santé naturelle, il n'y a pas un naturopathe, il n'y a pas de plus en plus aussi des médecins classiques qui ne vont pas appuyer sur l'importance de la respiration profonde pour notre bien-être global et pour, alors, numéro 1, oxygéner toutes nos cellules. Sans une oxygénation profonde, adéquate, rien ne fonctionne vraiment comme il faut. Et ça se sent, ça se ressent et ça va se voir vraiment tout de suite si vos tissus sont bien oxygénés ou pas. Mais qu'est-ce que ça fait en plus la respiration profonde? Parce que ça crée tout un équilibre en fait interne qui est tout à fait magique. Juste ce petit geste de bien respirer dans la journée, ça va aider à détoxifier votre corps, soulager la digestion. Et on sait qu'une bonne digestion aussi, c'est clé pour une bonne vitalité. Ça va diminuer le stress bien sûr. On a vu que le stress, c'est un voleur majeur de votre rayonnement. Ça va aussi favoriser bien sûr votre concentration, toutes vos capacités cognitives dans la journée. Donc vous allez être plus présent aussi dans votre vie. Et ça, c'est la clé de la bonheur, du bonheur tout simplement. Donc vous allez être plus présent. Comment on fait pour installer la respiration profonde tous les jours? Vous allez faire descendre déjà le souffle dans le bas du ventre. Vous allez sentir que vous respirez là et pas ici. Souvent, on a une respiration superficielle, c'est pas suffisant pour bien vous oxygéner. Il faut que ça soit bas dans le ventre. Donc prenez quelques instants régulièrement dans la journée, faites descendre le souffle dans le bas du ventre. Vous respirez ici, vous sentez que le ventre gonfle, dégonfle naturellement avec la respiration et vous évitez la respiration superficielle qui nourrit absolument pas vos cellules et vos tissus et qui ne vous permet pas d'être oxygéné dans la journée. Mon troisième geste pour rayonner de vitalité et de beauté tous les jours, ça va être de bouger votre corps dès le matin. Numéro 1, on bouge le corps parce qu'il faut oxygéner profondément nos tissus. On vient de voir ça avec la respiration, mais le mouvement est juste indispensable, geste incontournable pour nourrir, oxygéner nos cellules. Donc le mouvement, de toute façon, tous les jours, c'est indispensable. Et pourquoi le matin? Parce que le matin, c'est ce moment tout à fait magique en fait, où on est un petit peu entre le conscient, l'inconscient, on peut plus facilement atteindre notre subconscient. Donc c'est le moment vraiment de lui présenter ce qu'on souhaite manifester dans sa vie, ce qu'on souhaite vivre dans la journée, ce qu'on souhaite cultiver dans sa vie. Et du coup, le mouvement qui est une énergie en soi en fait, on crée une bonne énergie en soi quand on met le corps en mouvement, le corps a besoin de bouger. Donc on met un ton positif. Et donc on a vu quand on commence la journée de façon positive, dynamique, inspirante, tout ce que vous voulez, on met toutes les chances de son côté pour que le reste de la journée se passe au mieux et de façon plus positive. Et ainsi, avec ce mouvement, avec le positive mindset, avec le fait que vous allez déjà vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps le matin, vous allez plus rayonner. Et puis de toute façon, ça peut être 5 minutes. Vraiment, vous n'avez pas besoin de faire votre cardio d'une heure le matin en vous levant. Il s'agit de vraiment bouger le corps, le mettre en mouvement, faire quelque chose d'agréable, vous faire de bien aussi. N'oubliez jamais la notion de plaisir dans tout ça, parce qu'on veut mettre quelque chose de positif dans notre vie. Donc 5 minutes de yoga, 5 minutes d'étirement. Moi, je fais des salutations de soleil, c'est mon truc. Mais peut-être que vous voulez faire un footing aussi ou que vous voulez juste jouer avec vos enfants, courir partout dans l'appartement. Je m'en fiche. Faites des mouvements qui vous font du bien et le reste de la journée se passera au mieux. Et geste numéro 4, ça va être de faire votre détox quotidienne. Et je dis bien quotidienne. Installez au moins un geste tous les jours de détox. Pourquoi? Parce que le corps a besoin d'être propre, libéré des toxines pour pouvoir bien fonctionner. Quand on accumule des toxines, et notre vie moderne aujourd'hui est une vie acidifiant, clairement, c'est un mode de vie acidifiant. Quand on accumule donc ces toxines, on acidifie les tissus qui fonctionnent de moins en moins bien et on va perturber en fait le pH, c'est ça. C'est pour ça que je parle de l'acidification. On n'est pas assez basique parce qu'on ajoute des acides en permanence en fait. Donc choisissez votre détox quotidienne. Pour moi, ça va être vraiment incontournable de respecter le jeûne de 12 heures la nuit.
parce que entre le dernier repas de soir et le premier repas du lendemain, il faut respecter minimum 12 heures pour que le corps de pause digestive, pour que le corps a le temps de se nettoyer en fait. Parce qu'après le repas du soir, le corps digère déjà, il gère tous les aliments, il va ensuite commencer à se nettoyer. Et si on mange tôt le lendemain, le corps n'a pas du tout le temps de finir ce processus de nettoyage. Il n'a même pas peut-être le temps de l'initier. Ça dépend de vous, ça dépend de votre corps, ce que vous avez mangé bien sûr, et l'espace entre les deux repas. Mais vraiment, la pause digestive est essentielle. Donc pour moi, c'est incontournable, le jeûne de 12 heures minimum par nuit. Et je vous ajoute un petit truc en plus, parce que je respecte vraiment ça quasiment tout le jour, c'est de manger des fruits jusqu'à midi le lendemain pour accentuer le travail de nettoyage, pour soutenir ce processus qui est vraiment, vraiment très important pour garder le corps propre. Donc que des fruits jusqu'à midi, donc le matin, c'est le petit déjeuner, c'est des fruits frais en fait, parce que c'est les aliments qui nettoient le mieux notre corps. Ils sont astringents, la plupart des fruits sont astringents, ça aide à sortir les toxines, à les faire sortir des tissus et puis pouvoir les expulser tout simplement. Fruit, 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 fruit. Et cinquième geste incontournable aujourd'hui, ça va être l'hydratation interne et externe. Oui, double action tout simplement, parce qu'il faut travailler les deux, on l'a bien compris. Là, par exemple, petite tisane au thym, c'est très nettoyant, c'est antibactérien en plus, le thym c'est top. Pourquoi j'ai une tisane au thym, enfin une tisane tout court, pourquoi une tisane? Parce que c'est les tisanes et l'eau pure qui sont vos seules sources d'hydratation via les boissons. Tout le reste, le thé vert, le café, les sodas évidemment, tous les boissons sucrées, tout ce que vous voulez, ça n'hydrate pas, ça va être désaltérant peut-être, ça n'hydrate pas vos cellules, pas en profondeur. Donc eau pure, filtrez votre eau par exemple, et tisane, c'est ça qui va hydrater en profondeur vos cellules. Vous en avez besoin pour avoir une peau plus pulpeuse en fait. Et puis les fruits et les légumes crus, ça c'est une véritable hydratation profonde. Pourquoi? Parce que ces aliments-là contiennent des enzymes et des électrolytes vivantes qui vont apporter aux cellules l'hydratation profonde. Ça va vraiment accentuer l'action d'hydratation, beaucoup plus efficace que juste boire de l'eau, un litre d'eau du robinet par exemple. Ça n'a rien à voir en fait. Et pareil, la façon dont on boit, c'est important, c'est-à-dire que c'est 1000 fois plus efficace pour notre corps de repartir l'apport en hydratation, l'apport en liquide par exemple, tout au long de la journée, plutôt que boire 3 fois un litre. C'est pas aussi efficace, le corps n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Donc, prenez soin de votre corps et privilégiez une hydratation en continu, un verre par heure, par exemple. Normalement, c'est 1,5 litre par jour, par personne, un adulte de taille normale. Si vous faites du sport, c'est sûr que ça va être plus. Donc, pensez à ça et écoutez-vous. Ensuite, l'hydratation externe, ça va être tout aussi important. Non, quand même, un peu moins. Mais c'est très important si vous voulez vraiment ce gulot, si vous voulez obtenir quelque chose. Qu'est-ce que je raconte? Si vous voulez rayonner, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'hydratation externe? On choisit, une bonne crème. Une crème qui va vraiment être adaptée à votre peau. Bien sûr, demandez conseil pour ne pas mettre n'importe quoi. Et de mettre un sérum. C'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on appelle le layering. Vous allez utiliser deux produits qui vont se compléter. Et puis, ça va créer une hydratation, une protection plus efficace. Et le sérum, c'est connu pour être plus concentré en actif. Donc, ça va mieux nourrir et stimuler votre peau de toute façon. Et bien sûr, essayez de choisir des produits bio, naturels, pour éviter d'accumuler les toxines, parce que les produits de beauté aujourd'hui classiques de grand commerce par exemple contient énormément de toxines, notamment des perturbateurs endocriniens qui va bousiller vos hormones. C'est tout ce qu'on ne veut pas. On a vu aussi qu'on ne veut pas accumuler des toxines pour avoir un corps propre, pour pouvoir vraiment rayonner, pour garder notre vitalité. Donc ne mettez pas sur votre peau quelque chose que vous ne voulez pas manger aussi. La peau
mange. C'est une réalité, on absorbe par la peau et ça peut même être pire parfois par rapport à ce qu'on mange parce qu'il n'y a pas de barrière de la même façon via la peau comme quand on mange parce qu'au moins il y a l'intestin qui va filtrer un petit peu, il y a le foie qui va vous aider. Quand vous appliquez quelque chose sur la peau, il y a des toxines qui vont très très rapidement atteindre la circulation sanguine. Donc pensez à cela. Pour finir, j'ai juste envie de vous dire de créer votre cercle vertueux. Quand vous commencez à prendre soin de vous, surtout quand vous commencez à prendre soin de votre intérieur, ça va inévitablement se manifester sur l'extérieur. Inévitablement. Vous allez petit à petit voir une version, une meilleure version de vous-même, une version supérieure émerger. Quand vous vous regardez dans la glace, au bout de quelques jours de pratique, de quelques gestes que vous avez mis en place, vous allez peut-être commencer à constater que la peau est plus lumineuse. Peut-être vous avez une meilleure posture. Peut-être vous vous sentez plus confiant, tout simplement. Et le fait que ça soit plaisant de constater ces changements, vous allez continuer à vous entretenir. Vous allez continuer à vouloir vous nourrir par ces gestes et vous allez entrer dans le cercle vertueux. Je vous le promets, c'est inévitable, ça fonctionne comme ça. Peut-être il faut persévérer un petit peu au début, mais vous allez y prendre goût, je vous le promets. Alright les amis, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce qu'on peut aller encore plus loin ensemble. On va se voir, je l'espère, je pense que oui. On va se voir le 28 janvier à 20h30, l'heure de Paris, pour une conférence en ligne tout à fait inédite parce qu'on va parler de bien-être au naturel, ensemble, jusqu'à pas d'heure, si vous voulez. Je resterai là jusqu'au bout avec vous pour répondre à toutes vos questions. Je partagerai tout, j'échangerai tout ce que j'ai avec vous. On va parler de comment bien gérer son stress, mieux dormir, les solutions beauté via l'alimentation, comment mieux organiser son temps aussi au quotidien pour pouvoir s'occuper de soi. Je vais partager plein de choses autour de là, de bien-être naturel, de bien-être holistique parce que vous le savez, on a besoin de travailler sur plusieurs choses si on veut vraiment voir de changement. Donc voilà, je vous invite à venir partager ce moment incroyable avec moi. Je sais qu'on va passer un bon moment ensemble, donc ne ratez pas ça. Je vous dis au 28 janvier, 20h30 et d'ici là, prenez très bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao. Sleep inside.